Bon, écoutez, on vous propose de commencer. Bienvenue donc à ce second webinaire qui est consacré aux solutions pour diminuer le travail d'astreinte. Hier, nous avons abordé les leviers en Nouvelle-Aix. Donc aujourd'hui, nous allons parler des luttes courtes, même très courtes, à partir des essais qui ont été réalisés en élevage, donc en collaboration avec des organisations de producteurs et également en sites expérimentaux. Alors, deux petites précisions avant de commencer. Nous attendons bien sûr vos questions, vos remarques, comme d'habitude. Donc là, vous avez deux solutions. Hein. Soit vous levez la main, il y a une petite main, là, il suffit d'appuyer dessus et puis je vous donnerai la parole. Soit vous mettez un mot dans le chat. Et bien évidemment, on essaiera tous ensemble de répondre à vos questions. Je ne sais pas, Jérôme, si tu peux faire rentrer les gens, parce que moi, je ne vais pas pouvoir, je ne vais plus avoir la main après. Ils sont dans la salle d'attente. Jérôme, ça va. Ça n'a pas l'air de brancher. Ça va. Ensuite, je voulais vous dire aussi que le webinaire est enregistré et donc qui sera disponible en replay. Bonjour Jean-Pierre, en direct de son tracteur. Ouais, en direct. Ouais. Alors. Pour aborder le sujet, nous avons justement avec nous donc Jean-Pierre Arcoutel, qui est éleveur et président de la section Auvergne-Viande. Re-salut Jean-Pierre. Nous avons Walter Hébert, qui est éleveur dans le nord du département de la Haute-Vienne et qui a participé à l'étude. Salut Walter. Bonjour. Nous avons également une technicienne Ticharo à l'UED de Sicarefcop qui, elle aussi, a participé à la réalisation de l'étude. Salut Ticharo. Bonjour. Jérôme Duboui, donc, qui est responsable technique à la Selmar et également éleveur et qui, à double titre, a participé également à cette étude. Bonjour. Et Camille Fleury, donc, qui est directrice de la station FEDATEST en Haute-Loire. Et qui vous verrez à réaliser un essai, cette fois-ci sur synchronisation des chaleurs. Salut Camille. Ah, Camille, on ne t'entend pas. Camille. Attendez, je regarde. Ah, elle a un bug avec son ordinateur, elle arrive. Bon. Alors, pour commencer, Jean-Pierre, peut-être, est-ce que tu peux nous. Si tu captes de ton tracteur, rapidement nous présenter le projet et puis ses objectifs, s'il te plaît. C'est pas moi qui l'ai écrit, le projet, ni même les objectifs. Mais ce sujet de l'astreinte, des conditions de travail, de la productivité du travail, c'est quelque chose qui m'anime depuis plus de 30 ans. À l'époque, quand je m'occupais de la filière ovine à l'Institut de l'élevage, avec tout le réseau de l'Institut des chambres d'agriculture, des coopératives, c'est quelque chose. Et Laurence, tu te rappelles de cette époque? Oui. Certes, on fait un peu ancien combattant, mais peu importe quoi, le sujet est toujours le même. Quoi. Et là, cette étude, pour moi, le sujet il a été super bien abordé parce que. De quelque chose qu'on peut considérer, alors déjà le mot est très fort, quoi, le mot d'astreinte est très fort, mais moi je considère qu'une astreinte bien appréhendée peut faire, et c'est ce que j'ai dit dans l'édito, je ne sais pas si l'édito il a paru ou pas, mais moi je considère qu'une astreinte bien appréhendée peut faire partie tout simplement là de l'organisation de travail d'une journée et doit pas être plus contraignante que d'autres tâches. Mais ça c'est lié à l'organisation du travail de chacune des exploitations, de chacun des exploitants et pour considérer que cette tâche là n'est vraiment pas une astreinte. Donc il y a énormément de boulot qui est fait sur ci ou là sur l'amélioration des conditions de travail. Se sortir aussi de la tête que d'être éleveur, c'est contraignant. Je pense que oui, éleveur, c'est contraignant. Mais
Jean-Pierre, on ne te capte plus. Et on peut être un nombre de contraintes. Ouais. Est-ce que vous m'entendez sinon? Oui, Laurence, on t'entend. Ah, c'est oui. Jean-Pierre alors. Ouais. Oui, oui. Jean-Pierre? Hello. Ouais. Jean-Pierre, on ne t'entend plus du tout. Bah écoute, n'hésite pas à me couper et à reprendre la parole quand tu as retrouvé du réseau. Désolée. Donc, juste cette étude, donc, elle a été réalisée entre 2020 et 2022 avec deux volets, un volet en lutte naturelle d'automne et un autre volet qui traite de la synchronisation des chaleurs et plus précisément des repasses. Alors, juste avant qu'on ne commence, peut-être qu'on s'entende bien sur ce qu'on appelle un bon taux de fertilité. Ah, Jean-Pierre, tu es revenu ? Oui, je suis revenu, excusez-moi. Vas-y. J'avais dit ce qui pour moi était le plus important, quoi. Vraiment, l'organisation du travail, c'est quelque chose qui pour moi est hyper important. Parce que dans un élevage ovin, moi, ça fait des années que je fréquente des techniciens, je m'en suis, comme je vous le disais tout à l'heure, occupé à l'Institut de l'élevage, à la coopération agricole. Et alors, et l'approche qu'il y avait dans le passé, c'était toujours la productivité du troupeau, et voire de la brebis, mais on parlait jamais de la productivité du travail. Et on avait du mal à intégrer la partie ovine dans la globalité de l'exploitation. C'était toujours raisonné à l'atelier. Et alors que moi, je considère que l'atelier ovin, il n'est pas au milieu de nulle part. Il est dans une exploitation qui a un environnement autour. Il peut y avoir d'autres productions. Ça peut être une exploitation spécialisée ovine, peu importe. Mais il y a tout un environnement. Et donc, il faut tenir compte de tout ça pour appréhender son travail, quoi. Oui. Et le sujet, comme il a été abordé là, de l'astreinte en élevage, quoi, en production ovine, mais en élevage, pour moi, vous l'avez super bien abordé parce que vous avez tenu compte d'observations qui étaient faites chez les uns et chez les autres. Et c'est comme ça qu'on peut s'édébuter le manque, qu'on peut tirer des enseignements, parce que c'est que des petits trucs et astuces des uns et des autres qui facilitent la vie à chacun et tous les jours. Voilà ce que je voulais dire dans les quelques mots d'introduction. Après, vous avez tout un tas de présentations à faire, je vous les laisse faire. Mais je reste. Ouais. Si tu peux rester avec nous, tu nous donneras peut-être ton avis au fur et à mesure, ça serait intéressant. Merci Jean-Pierre. Donc, un bon taux de fertilité, c'est quoi? Quand on est en lutte d'automne, de saison, on considère qu'on devrait être au-delà de 90% de fertilité. Hein. Les brebis étant cycliques, et en fait, elles attendent que le bélier. Hein. Tous les 17 jours, elles sont en chaleur. Quand on est en lutte synchronisée, donc, on considère, alors vous n'allez certainement pas être d'accord, qu'au-delà de 60%, ce sont de bons résultats. La moyenne, vous le savez, étant autour de 60-65%. Hein. Et quand on est en lutte de printemps, hein, donc de contre-saison, étant donné que ce sont dans la majeure partie des cas les béliers qui vont déclencher les brebis, on considère qu'au-delà de 70% de fertilité en lutte naturelle, les résultats de reproduction sont bons. Alors, au niveau de la durée des luttes, hein, ce qu'on considère actuellement comme des luttes courtes, ce sont à l'automne des luttes de deux cycles. Alors, on a l'habitude de dire 35 jours, bon, c'est 34, mais ce n'est pas un jour près, hein, 2 × 17. Par contre, quand on est sur des luttes de printemps, le premier cycle étant en général peu fécondant, hein, puisque les brebis n'ont pas forcément de chaleur, ou elles sont silencieuses, là, on préfère souvent faire 3 cycles de lutte, hein, uniquement bien sûr sur des races qui vont désaisonner, hein, parce que sur les autres ça marche quand même en général nettement moins bien, ou bien alors vous savez on met un bélier vasectomisé ou éventuellement avec un tablier pendant 14 jours et on introduit ensuite les béliers pendant les 2 cycles de lutte.
Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à des luttes encore plus courtes, c'est-à-dire des luttes de moins de 2 cycles? Ben, Jean-Pierre le disait, hein, c'est uniquement pour des questions de travail. Hein. La première raison qui est avancée par les éleveurs, c'est la durée de l'agnelage. Quand on est sur des luttes de 2 cycles, en fait, on a à peu près 1,5 mois d'agnelage au total. Alors, avec 3 semaines qui sont plus chargées, certes, mais on a toujours, c'est ce qu'on appelle un peu les queues de l'eau, hein, qui agnellent sur la fin, qui, bon, forcément, ont moins de surveillance parce qu'il y en a moins, il y a moins de brebis qui restent à agneler. Et puis, c'est peut-être aussi des mises bas qui souvent sont un peu plus à problème, hein, avec des taux de prolifes qui sont toujours moins élevés. On a en général plus de simples sur la fin de l'agnelage. Hein, c'est des grandes généralités, mais en général, on a plus de simples. Et donc, dans les races bouchères en particulier, ben, avec des agneaux qui sont parfois un peu trop gros à la naissance parce que ben, la brebis, elle a eu une ration de fin de gestation qui était beaucoup plus longue, forcément. Et puis aussi, l'aspect sanitaire est souvent évoqué, hein, avec beaucoup plus de problèmes sanitaires sur les fins d'agnelage, de type agneau baveur, diarrhée, etc., que dans le cœur de l'agnelage où les agneaux ont tous le même âge. Voilà. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, bah, c'est des raisons pratiques au niveau de l'allotement des brebis. Hein. Une ration qui est beaucoup plus facile à affecter à des besoins bien précis, avec des économies qui sont possibles. Hein. Ce qui n'est pas rien vu les coûts des aliments. Et puis aussi et surtout des interventions sanitaires qui vont être plus faciles à programmer, que ce soit sur les agneaux ou sur les brebis, les vaccins par exemple, hein, puisque les brebis seront au même stade, les agneaux auront le même âge, des traitements antiparasitaires, etc. Et enfin, bien sûr, quand on a un lot d'agnelage réduit, ben on a moins d'abattage. Donc, globalement, ça réduit aussi le nombre d'abattages. Voilà. Les éleveurs qui sont là après, ils nous diront peut-être qu'ils ont d'autres raisons. Donc, voilà les résultats. En fait, on a travaillé sur 12 lots de brebis, 1800 brebis au total en automne, avec des races diverses, hein, des races bouchères, des races prolifiques, des races rustiques. On a de tout. Et à chaque fois des durées de lutte de moins de 30 jours. Donc on va vous présenter les résultats. Donc là, vous avez ici les 6 premiers éleveurs, hein, c'est en 2 tableaux, puis vous avez en dessous la coque qui a suivi ces élevages. Donc vous voyez, sur ces 6 premiers éleveurs, on a des taux de fertilité qui varient de 78 à 85%, avec des durées de lutte qui sont comprises entre 13 jours, hein, 13 jours de lutte et 30 jours de lutte. D'ailleurs, pour les 13 jours de lutte, Walter est là et qui va témoigner tout à l'heure. C'est lui qui a testé les 13 jours de lutte. Donc, avec des effectifs plus ou moins importants, mais vous voyez que globalement, il ne semble pas que ce soit la durée de la lutte qui est jouée sur le taux de fertilité, puisque vous voyez, à 13 jours de lutte, on est quand même à 84% dans ce cas-là. Ensuite, les six autres élevages, donc, on a des durées de lutte de 17 à 26 jours et puis des taux de fertilité qui vont osciller entre 86 et 91%. En moyenne, de tous ces lots, on est à 86% de fertilité sur les brebis et à 78% sur les agnelles. Donc, vous voyez, 86%, bon, il manque un peu d'agneau quand même. Hein, faut pas. Donc, déjà, ça impose, et les éleveurs vous le diront, un constat de gestation une fois qu'on a enlevé les béliers. On ne peut pas prendre le risque dans ces systèmes-là. C'est déjà intéressant quand on fait des luttes plus longues, mais alors les luttes plus courtes, c'est quasiment obligatoire. Pour les agnelles, c'est un peu particulier. Je vous disais 78%, d'abord, ce n'est pas si mal que ça, finalement, hein, puisque sur des agnelles, on considère qu'à partir de 80%, c'est déjà pas mal. Mais le critère qui va surtout jouer sur la fertilité des agnelles, ça reste leur poids. Une agnelle suffisamment développée, c'est-à-dire qui fait au moins les 2/3 de son poids adulte, a quand même 30% de chances de plus d'être gestante, hein, qu'une petite. Hein. Donc, c'est d'abord le poids qui va jouer. Alors, les critères de réussite, les voilà. Le premier critère qui va jouer est atteindre les 90% de fertilité sur des luttes courtes, c'est possible. Mais pour ça, il y a au moins 2 conditions à remplir. Le plus important étant l'état corporel des animaux, des brebis, en début de lutte. Donc là, vous savez, l'état corporel, c'est sur une grille de 0 à 5. Donc les 0, il n'y en a pas, les 5 non plus. Hein. Les 5, c'est des saucisses. Donc d'après vous, sur ces 4-là, lesquelles vont être peu gestantes?
Dites-moi, lesquels vous mettriez pas en lutte là? Vous osez pas? Non? Vous osez pas dire lesquels vous mettrez pas en lutte? Est-ce que la 1, vous la mettez en lutte? Bah non. Ah non. Donc, ni la 1, ni la 2, voilà. Voilà. Alors la 2, on va le voir, mais vous allez voir qu'on a du taux de fertilité moins bon hein, sur des brebis qui vont être assez maigres. Par contre, sur les brebis qui vont être en bon état, voilà les taux de fertilité. Donc, vous voyez que c'est quand même assez tranché. Hein. Donc, sur des brebis très maigres, enfin 1,5, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Elles sont quand même bonnes bêtes, hein, parce qu'on est quand même à 84% de fertilité. Mais si vous voulez dépasser les 90, eh ben, il faut être au-delà de 3, de la note d'état 3, donc sur une grille, je rappelle, de 0 à 5. Alors, au printemps, c'est assez facile hein, sur des systèmes herbagés d'état 3. À l'automne, quand on a passé une période de sécheresse, comme on les passe toutes ces dernières années, là, enfin à part 2021, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Et sur ces brebis qui vont être en bon état au début de lutte, hein, c'est-à-dire au moins en 3, pas besoin forcément qu'elles reprennent d'état. Il suffit que, voilà, qu'elles se stabilisent. De toute façon, qu'on est sur une période très courte. Les brebis, elles n'ont pas trop le temps quand même, quand elles sont en état, de prendre de l'état ou de maigrir. Ce qui n'est pas vrai quand on est sur des luttes beaucoup plus longues. Hein. Mais globalement, si vos brebis sont en 3, pas de souci, elles vont être relativement fertiles, 3, 3,5. Par contre, si elles sont en dessous de 3, c'est-à-dire plutôt assez maigres, hein, des brebis qui vont être en 2, 2,5, la prise d'état est indispensable si vous voulez attendre les 85% de fertilité. Et vous voyez que vous n'atteignez pas de toute façon les 90. Donc, voilà, le premier critère qui va jouer le plus, c'est l'état des brebis. Ça, c'est un truc qui est super important. Le deuxième, et qui n'est peut-être pas aussi discriminant qu'on le pensait, ça va être le nombre de béliers qu'on va mettre dans le lot. On a vu, donc tous les éleveurs nous ont donné le nombre de béliers qu'ils mettaient, etc. On avait toutes les indications. Quand on dépassait un bélier pour 60 brebis, on a quand même, sur ces luttes très courtes, des taux de fertilité qui ont diminué. Vous voyez qu'on est à 87%. Par contre, on n'a pas pu faire de différence entre les éleveurs qui mettaient moins d'un bélier pour 10 brebis, parce qu'il y en a, hein, et puis ceux qui mettaient un bélier pour 30 à 40. Donc, vous voyez que dans ces cas-là, pour des brebis qui sont en bon état, on était sur des taux de fertilité qui étaient élevés, et si on enlève les agnelles. Alors, en synthèse… Laurence, je peux te poser une question? J'avais vu, quand tu parles du bélier, ça me fait penser à quelque chose que j'avais vu la première fois où je suis allé en Nouvelle-Zélande. Oui. Moi, j'étais sur des ratios que vous m'aviez appris, là, des 30-40 brebis. Ouais. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu des élevages qui ils mettaient un bélier pour 100-130 brebis. Ouais. Mais ils faisaient des cours, des luttes de 2 mois et demi, une fois par an. Et après, les béliers, ils passaient 9 mois à se reposer et ils disaient que ce n'était pas de problème. Quoi, Je sais, ouais. Et alors, je dis ça parce que, si je peux me permettre de faire une autre observation, c'est que j'avais, moi, je travaillais dans le passé en 3 agnelages en 2 ans. Oui. Et alors, j'ai un troupeau un peu important et j'ai voulu faire 2 fois 3 agnelages en 2 ans, dédoubler mon troupeau et faire 2 fois 3 agnelages en 2 ans. Et plus j'allais dans le temps, plus j'avais de brebis vides, parce que je faisais tourner mes béliers tous les 2 mois. Un mois, ils étaient à lutte, un mois en repos, un mois à lutte, un mois en repos. Ah oui. Et j'avais séché mes béliers. Ils n'avaient pas le temps de se refaire, en fait. Ils n'avaient pas le temps de se refaire, quoi. Ouais. Alors, les Néo-Zélandais mettaient un bélier pour 130 brebis, quoi. Mais voilà, c'est 2 anecdotes, mais qui sont significatives. Quoi. Alors, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de béliers, pas beaucoup de béliers, enfin, ils mettent beaucoup de béliers parce qu'ils ont des gros troupeaux, mais c'est pas. Mais globalement, ils font des luttes quand même qui sont beaucoup plus longues. Hein. Et là, sur un cycle où, comme Walter qui fait 13 jours, il a quand même intérêt peut-être à mettre des béliers. On n'est pas, à l'abri d'une panne de l'un ou de l'autre. Là. Mais malheureusement, on a très peu d'études sur les béliers. Nous, en France,
C'est dommage, hein, parce que même les ratios qu'on vous donne d'habitude, comme dit Jean-Pierre, hein, un bélier pour 40 à 50, c'est des trucs qui sont très anciens. On ne sait même pas trop, d'ailleurs, quelles en sont les origines, hein, parce que des études très précises sur les béliers, on n'en a pas, en fait, malheureusement. Malheureusement. Donc oui, en synthèse, des brebis qui sont en bon état, si vous voulez faire des luttes courtes, et puis au moins un bélier pour 30 à 40 brebis. Alors, une précaution peut-être à prendre si vous voulez réduire la durée des luttes, hein, par exemple passer de 2 mois et demi, comme disait Jean-Pierre, à 35 jours. Hein, quand même, ce qui est préconisé, c'est souvent de ne pas le faire d'un seul coup, d'un seul, tout simplement parce que les brebis, elles prennent des habitudes, hein, au fil des années. Et il y a certainement aussi un phénomène génétique, hein, qu'on connaît mal. Et globalement, eh bien, on a quand même un gros risque de réduire de façon importante le taux de fertilité, quoi. Donc, ce qui est préconisé, si vous avez l'habitude de faire des luttes plus longues, hein, 3 mois par exemple, hein, et si vous voulez réduire, hein, c'est vraiment de regarder déjà où vous avez le maximum de brebis qui met bas. Hein. Par exemple, si vous mettez en lutte au 15 août jusqu'à Noël, hein, ça peut arriver, hein, peut-être qu'il faut commencer à réduire et puis les mettre au 1er septembre. Et puis après, commencer à réduire sur la fin. Mais voilà, ce qui est vraiment préconisé, c'est de réduire d'un cycle par an au maximum. Alors, Jérôme vous dira, chez un éleveur, il a réduit de façon drastique et ça a marché. Mais il faut quand même être prudent là-dessus. Il faut quand même être prudent. Juste une ou deux petites choses pour terminer pour ma part. Vous rappelez que si les brebis ne sont pas en état à la mise en lutte, elles ont des besoins en énergie pour se refaire qui sont très important. Quand vous regardez le graphe du milieu, on prend par exemple une brebis de 70 kg. Ses besoins en énergie, si elle est en état, c'est 0,8 UF. Donc, ça veut dire qu'elle se satisfait même éventuellement d'un foin, hein, pour être stable en note d'état corporel. Si vous avez un besoin de reprise d'état rapide, hein, donc c'est ce qui est orange, les besoins en énergie sont majorés de presque 0,6 UF. Donc 0,6 UF, si vous êtes sur une ration en bergerie, c'est 600 g de céréales. Si vous êtes à l'herbe avec des repousses d'automne ou sur des couverts végétaux, bien sûr, ça ne pose aucun souci. Vous pouvez faire vos luttes sans problème, sans concentrer. Mais si vous n'avez pas trop de ressources, ça peut coûter très cher. Par contre, les besoins en azote, c'est le graphique d'à côté, en PDI, ils sont quasiment les mêmes. Donc, ça ne change pas, ça. Si on veut faire un flushing sur les brebis, on rajoute de l'énergie, mais pas besoin d'ajouter de l'azote de type tourteau ou fourrage de légumineuses, etc. C'est pas, ça ne changera pas, en fait, le taux de fertilité de vos brebis. Voilà. Et juste pour terminer, ce que font quand même de plus en plus les éleveurs avec ces étés secs, là, c'est que souvent, les brebis taries, ils évitent de trop les faire maigrir, quoi, en période de tarissement, de façon à ce qu'à l'automne, s'ils n'ont pas de repousse suffisante, ils garantissent quand même un taux de fertilité sans apporter de céréales à l'herbe, quoi. Parce que ça aussi, au niveau du travail, quand on a des gros lots, amener du concentré dehors, si on n'est pas équipé, c'est franchement pénible, voire infaisable, quoi. Donc, certains d'entre eux donnent de l'enrubanage, d'autres du foin pour bonne qualité, hein, mais ils essayent au maximum de ne pas trop les faire maigrir, voire de les faire stagner et augmenter juste un petit peu la mise en lutte. Voilà, alors, avant que vous ne posiez vos questions, on vous propose deux témoignages. Donc, Jérôme, déjà, hein, donc, qui est responsable technique à la Selmar, mais qui est également éleveur et qui va vous parler des deux suivis qui ont été réalisés par la Selmar. À toi, Jérôme. Oui, bonjour. Je vais présenter déjà le premier essai qu'on avait fait chez moi. Donc, pour vous expliquer, je suis technicien à la Selmar, donc à plein temps. J'ai 250 brebis moutons charolaises et limousines. Il y en a 120 charolaises et 120 limousines. Donc, moi, étant pas là une grande partie du temps, quand je suis au boulot, les brebis, elles sont toutes seules. Donc, déjà, je faisais des luttes moitié courtes, on va dire. Donc, à contre-saison, les 120 limousines, elles sont mises au mois de mars naturellement. Les charolaises, elles sont inséminées en août pour la grande majorité, en paternité, avec une repasse 15 jours après. Et il me restait le lot des agnelles, qu'on faisait en lutte naturelle tranquillement, comme ça se fait un peu. Moi, ce qui m'agaçait, c'était la surveillance des agnelages, parce que sur des agnelles, en plus, avec du potentiel génétique, quand on arrive trop tard
ou que ça se passe mal. Si ça se passe mal, les brebis elles vieillissent mal ou elles font des mauvaises mères. Et puis si on arrive trop tard, on perd l'agneau et des fois on perd le tout. Donc depuis 2 ans, j'ai raccourci les luttes à 20 jours sur ces animaux-là. Donc l'avantage, c'est la surveillance. La préparation des brebis, elles sont préparées sur 20 jours. On ne risque pas trop de se rater dans les rationnements, qu'il n'y ait pas des agneaux trop gros parce qu'on a nourri trop longtemps des bestioles. Et puis aussi pour le contrôle de perf, en fait, le contrôleur, il vient qu'une fois, quoi. Entre 20 jours d'agnelage, ça évite de faire 2 lots de pesée sur un petit nombre d'agneaux, quoi. Voilà. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et là, donc, on a fait. Il y avait 36 agnelles avec 2 béliers. Donc là, c'est pareil aussi, vous allez dire en paternité, c'est bizarre. Mais pour éviter ces problèmes avec la paternité, maintenant, je fais prise de sang pour assurer la paternité derrière. Donc, ça me limite aussi du. Ça gagne des points de fertilité en mettant 2 béliers, parce qu'un bélier pas très bon en sélection, ça peut traîner longtemps. Donc, moi, je préfère mettre 2 béliers, j'assure la fertilité et j'assure mes paternités avec des prises de sang derrière. Voilà. Assignation, etc. Donc, moi, par rapport à mon travail et tout, je suis obligé d'être super strict par rapport à ça, sinon, ça met en péril. Les moutons et le boulot aussi. Et est-ce que tu as constaté une diminution de la fertilité Tout à l'heure, sur les luttes très courtes, non, parce que là, je suis à 88% sur les 30. Donc, en fait, c'est ça, c'est les 10% qu'on récupérait, c'était soit au début ou à la fin, et ça finit tout le temps, des fois mal. La belle agnelle qu'on espère récupérer, un bel agneau à la fin, des fois ça fait un gros agneau mort ou une brebis que ça passe mal et qui ne veut pas voir ses agneaux et qui fait des mauvaises mères à l'avenir, quoi. Donc voilà. Donc moi, ça fait 2 ans que c'est comme ça et ça me va bien dans ma situation personnelle, on va dire. Ouais. Et est-ce que tu vois des mauvais béliers aussi, du coup, vu que tu fais des prises de sang après? Ça, c'est un autre point, ça. Mais oui. Ah oui. Ça a l'avantage de mettre en évidence qu'il y a des béliers, même s'ils ont des super notes génétiques, ils ne font pas grand-chose. Mais ça, c'est un autre point. Ça fera partie d'un autre. Non, non, mais quand on met plusieurs béliers et qu'on fait une assignation, c'est l'avantage de voir qu'il y a sûrement des côtés génétiques sur la vigueur et la fertilité. Il y a des choses à faire à l'avenir, ça, à mon avis. Et Jérôme, le RN, oui. Croutex là que tu suivais, oui. Donc alors, lui qui est mixte. Voilà, oui. Pour l'éleveur Christophe, lui, donc il ne pouvait pas être là pour témoigner, parce que lui qui aurait dû témoigner à la base, il s'est fait mal au mollet et puis il est en consultation en début d'après-midi. Donc lui, il faisait des luttes de contre-saison avec des brebis type Roman ou F1. Romanov ou F1, et il y a la lutte de juin avait raté, totalement raté, enfin c'était un très mauvais résultat, 30%, et donc il ne voulait pas avoir de lutte d'automne, lui, enfin d'automne ou de septembre, puisque après il avait ses vélages, une pointe de boulot, des veaux de lait, enfin ça tombait très mal, donc on a dit, tu ne peux pas rester comme ça avec des brebis vides, mais c'est vrai que ça concernait un lot d'une centaine de bestioles quand même. Donc on a fait sur 25 jours, je crois, de tête. Et pour rattraper le coup, pendant 15 jours, je dis, tu seras concentré pendant 15 jours à surveiller ça, même si ça sera un peu gros de boulot, mais ça ne traînera pas pendant 2 mois. Et donc il a fait ça, ça a marché très bien, puisqu'il a récupéré 87% de fertilité. Donc, ça lui a sauvé des agneaux qu'il n'aurait pas eu. Et puis, depuis, il a refait cette année, il a même fait en lutte courte au mois de mars, là, en lutte en désaisonnée. Là il devait faire les échos, là, cette semaine, ça sera la semaine prochaine, du fait qu'il était blessé. Mais donc, là, maintenant, il fait lutte courte parce qu'il a trouvé que du bien aussi par rapport à ses ateliers bovins à côté, son atelier bovin, roulé. Comme il dit, ce n'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on est obligé d'être tout le temps à surveiller les brebis ou inversement. Donc, lui, il a trouvé du bien dans l'organisation de son boulot. De sa mixité sur son troupeau. Voilà. Alors, on est quand même d'accord pour dire que en lutte, nous, les études qu'on a faites, c'est beaucoup en lutte d'automne. En lutte de printemps, c'est quand même plus risqué. Hein. Je sais qu'il a essayé, ça a marché avec ses Romanov, hein, je crois. Hein. Oui, mais, oui, c'est quand même beaucoup plus risqué. Il a fait 25 jours avec des issues de sang Romanov et il y a des croisés Limousine Suffolk. Ouais, il a fait 25 jours et on a fait 75%. Hein, donc voilà. Mais moi, les limousines en naturel, je fais sur 30 jours et je suis à 85% depuis 4 ans. Quoi.
Donc, bon, elles ont pris leur rythme, c'est, on va dire. Ben, je vous propose qu'on écoute Walter, puis après, si vous voulez leur poser des questions. Donc, Walter, il est à la Croix sur Gartempe, hein, donc c'est au nord de la Haute-Vienne. Il est tout seul avec 670. Tout seul sur sa ferme avec 670 brebis qui sont croisées Supol, qui est mouton charolais, et des F1 Île-de-France Romanoff. Donc toi, Walter, tu as réduit progressivement ta durée de lutte à l'automne pour arriver sur un lot à 13 jours. Oui, c'était c'était pas un essai, hein, c'était, c'est venu petit à petit grâce aux échographies. Je voyais que... Avec l'échographie, on pouvait arriver à trier les brebis suivant leur stade de gestation. Donc, je me suis dit, on peut faire plus court. Moi, la première chose, c'était pour réduire mon travail d'agnelage et que les brebis rentrent en bergerie juste pour le temps de l'agnelage. Qu'elles restent à l'herbe le plus longtemps possible. Et elles rentrent, elles agnellent, et quand elles ont agnellé, elles ressortent dehors, mais elles sont rentrées le soir, par contre, avec les agneaux. Mais, donc, voilà. Tu as commencé à réduire à 19, après à 15, hein, c'est ça, au fil des années. Voilà, cette année, j'étais à 15, là. Voilà. Oui. Les 13, c'était l'année d'avant. Voilà. Tu es à 15, et alors, du coup, tu fais ton technicien, ta technicienne vient faire des échographies quand, là? Le plus tôt possible. Oui. Ouais. Et donc, toi, Walter, oui, tu étais à 85% à 84% de fertilité. Et le reste de les autres brebis prennent aussi, mais elles sont avec l'autre lot après. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de risque. Je n'ai pas de risque. Si elles ne prennent pas là au premier coup, elles prennent avec le deuxième lot. Ouais. Et globalement, est-ce que entre le premier lot donc de 15 jours, là, on va dire, hein, et puis comme elles passent dans le lot d'après, les autres, tu arrives à combien de fertilité alors? Tu as plus de 90%? Oui. Largement, ouais. Cette année, j'ai dû réformer, je ne sais plus, à cause de la fertilité, j'ai réformé, je ne sais pas, je n'ai pas réformé 10 brebis. Hein. Ah oui. Ouais, donc elles reprennent très bien derrière, quoi. Et c'est la période aussi, hein. Octobre, ouais. Novembre, c'est là qu'elles prennent le mieux. Et la durée d'agnelage, là, quand tu as une période de lutte de 13 à 15 jours, tu es combien de semaines? Ça fait à peu près à 18-20 jours maximum. Ouais. Donc ça réduit quand même sacrément. Voilà, et après il y a une pause, et je laisse une semaine, entre une semaine et 15 jours, et je refais l'autre lot. Ben, c'est le but de passer le moins longtemps possible dans la bergerie. Bah oui, surtout quand on a un gros troupeau, ou quand on a des vaches à côté, ou quand on est double actif, c'est encore plus motivant, hein, mais c'est vrai que... Enfin, c'était pour faire autre chose, pas forcément sur la ferme. Hein. Oui. Est-ce que tous là, vous avez des questions à poser sur la partie lutte naturelle? Est-ce que dans les différentes régions où vous êtes, là, je vois Arnaud là, est-ce que tu as des éleveurs qui font des durées de lutte aussi courtes, toi? Non, enfin, on reste sur des choses relativement classiques, quoi, deux, trois cycles, hein. on descend pas aussi... Ouais. Aussi bien que 13 jours, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant, bah oui, pour tout ce qui est les doubles actifs et puis organisation du travail, hein. C'est vrai que c'est très très séduisant. Hein. Ouais. Julien, toi, dans la Creuse, est-ce que tu as des éleveurs qui en plus de ceux que bien sûr que Jérôme a situé, parce que Jérôme est dans la Creuse aussi, est-ce que tu as d'autres éleveurs qui sont sur des durées de lutte? Je crois que tu en as quelques-uns aussi. Oui, on a. Vous m'entendez, ouais. Oui, on t'entend. Ouais. Ouais, quelques éleveurs qui pratiquent les luttes courtes. Mais après, c'est vrai que la majorité sont quand même dans des cycles de lutte plus longs. Après, il y avait un autre éleveur qui aurait dû aussi, qui fait des cycles, des durées de lutte assez courtes, mais qui ne pouvait pas être présent là, aujourd'hui. Mais pareil, dans l'organisation du travail et dans la gestion des agnelages, après, c'est. Il y a pas mal d'atouts quoi, derrière. Mais voilà, je crois que ça marche, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais
les conditions de réussite, elles sont encore plus drastiques, évidemment, que quand on est sur des durées de lutte plus longues. Hein. C'est les mêmes conditions de réussite. Vous avez vu l'état corporel, c'est les mêmes. Hein. Mais seulement, c'est encore plus drastique si vous voulez avoir un taux de fertilité important sur la première lutte. Et puis surtout, les éleveurs l'ont dit, là, c'est le constat de gestation, là, c'est vraiment imparable. Quoi. On ne peut pas prendre le risque. C'est quand même un outil qui est vraiment de plus en plus indispensable. Quoi. Surtout que c'est, enfin, pas pour organiser le boulot, c'est sûr que c'est plus intéressant. Quoi. Et en fait, là, tu avais la diapo, tu disais que on perdait, il était marqué, il manque des agneaux. Mais dans tous les systèmes, la plupart du temps, les gens, ils ont plusieurs lots. Donc, comme disait oui. Walter aussi, il a un mois après, s'il fait ses échos vite, tac, et s'il les fait sauter dans le lot, ou au pire. Moi, par exemple, là, j'ai parlé des agnelles en automne, mais il y a toutes les brebis qui n'ont pas pris à l'IA plus la repasse. Elles ont cette chance en même temps que les agnelles dans un lot à côté, je ne les mets pas en même temps. Donc, elles ont une deuxième chance. Bon, au bout de la deuxième chance, elles sont réformées parce que voilà, mais donc on ne perd pas vraiment. Quoi. Les agneaux qu'on perd, c'est que de toute façon, c'est des brebis infertiles, elles sont mieux dans le camion que de continuer d'être sur la ferme. Quoi. Avec l'écho et leur repasse derrière, on ne perd pas. Ça, c'est clair. Enfin, vous tous qui êtes là, vous le démontrez, on ne perd pas. Je vois qu'il y a la Julie. Ah, Julie, elle est partie. Mince. Je vois qu'elle quitte l'appel. Marie, peut-être pour tout ce qui est Loiret, etc. Marie, est-ce que tu as des éleveurs qui font des luttes courtes si tu nous... Vas-y, Marie. Là, comme ça, en tête, j'en ai pas encore. Non. Non, il n'y en a pas trop encore. Ils sont sur deux cycles encore. C'est plutôt sur deux ou trois cycles. Hein. Ouais. Je pense que cette étude, elle montre bien que c'est vraiment possible. Quoi. C'est possible. Est-ce qu'on passe à l'intérêt de refaire une repasse derrière synchro maintenant? Ça vous va? De toute façon, vous pouvez toujours poser des questions dans le chat, hein, évidemment, comme d'habitude, hein, ou en levant la main. Camille, à toi. Bonjour. Camille va vous présenter les temps de travaux, etc., qui ont été réalisés sur cette thématique. À toi. Est-ce que vous voyez la diapo? C'est très bien. Donc, bonjour, Camille Fleury de FEDATES, donc ferme expérimentale en Haute-Loire. Donc, nous, on a étudié l'intérêt d'une repasse sur les luttes. Donc, l'objectif de l'essai... donc, c'était de voir l'intérêt d'une repasse, notamment de quantifier le nombre d'agneaux produits avec une repasse et le temps de travail nécessaire à cette pratique. Donc, pour ça, on a fait le suivi des repasses sur deux périodes d'agnelage, donc octobre 2022 et janvier 2023. Et on a en mesure, donc on a enregistré tous les éléments liés à la conduite du troupeau et le temps de travail du lot repasse. Donc, pour faire juste un petit point sur l'organisation des luttes à FEDATES, donc... on a un système de production de 4 agnelages en 3 ans. On est 4 personnes à travailler sur la ferme. Et donc, ça fait 4 agnelages par an, janvier, avril, juillet, octobre. Et la spécificité, c'est que 100% des brebis sont inséminées et donc synchronisées pour nos besoins en testage bouché sur la station. Donc, toutes les luttes, brebis synchronisées, on fait les IA. 12 jours après les IA, on met nos béliers. Et il reste uniquement 10 jours avec les brebis. Donc, pour présenter, pour pouvoir comparer avec les retours, on va d'abord parler des résultats IA. Donc, pour octobre, on avait 279 brebis inséminées, pour janvier, 404. On va essayer d'abréger un petit peu. Donc, le nombre de mises bas IA pour octobre, 135, et pour janvier, 160. En productivité, on est à 1,62 pour octobre et à 1,46 pour janvier. Pour les retours, en taux de fertilité, je n'ai pas parlé du taux de fertilité, si. 48% pour octobre pour les IA et 40% pour janvier. Pour les retours, on est à 36% fertilité retour octobre et 42% pour janvier. Donc en fertilité globale, en IA plus retour, on est à 84% pour octobre et 82% pour janvier. Donc on voit quand même que nous, nos repas, ils sont indispensables déjà rien que pour le nombre de brebis qu'on rattrape. Donc pour les mesures qui vont suivre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour octobre, on a eu 87 mises bas retour et 158 mises bas retour pour janvier. Donc ce qui a été mesuré, c'est le temps de travail pour avoir un petit peu une idée du temps qu'on passe sur ces agneaux de repasse. Donc je vous ai dit, on est 4 personnes à intervenir sur le troupeau. Donc on a
Et on a mesuré le teint sur différents postes, donc tous les postes, enfin tout ce qui est lié à la reproduction, à l'agnelage, l'alimentation, traitement sevrage, distribution de l'aliment, tri et pesée abattoir pour la partie engraissement. Faut savoir que sur Fedatest, on est quand même sur une ferme assez automatisée. On a une distributrice, on a des tapis roulants. Le concentré pour les agneaux, c'est avec une chaîne, donc ça économise déjà du temps. Mais pour ce qu'on a mesuré sur la station, donc pour l'agnelage d'octobre, c'est 7000 minutes environ qui ont été passées pour les agneaux, pour du coup 110 agneaux sevrés. Et pour janvier, on a passé environ 5770 minutes pour 210 agneaux sevrés, pour uniquement les retours. On a fait une estimation du temps de travail passé par agneau-né. Donc, pour octobre, on a 43 minutes par agneau-né et pour janvier, à 23 minutes. Donc, évidemment, on reste à travailler avec du vivant. Et ce qu'on observe, en tout cas, c'est que plus l'agnelage est petit, moins on a de mère, plus le temps passé par agneau, il est important, puisqu'évidemment, quand on fait de la surveillance pour l'agnelage, qu'on surveille un troupeau important ou moins important, à partir du moment où on y est, il y a cet effet de dissolution sur les petits troupeaux. Donc, ce qu'on trouve intéressant, c'est de faire une estimation en fonction du nombre d'agneaux nés, du temps qu'on passait par agneau. Donc, ce qui a été calculé, c'est vraiment une estimation. Donc, c'est ce qu'on disait. Donc, moins il y a d'agneaux, plus on passe de temps par agneau. Donc, pour une cinquantaine d'agneaux, on est un peu plus d'une heure. Pour 100 agneaux, on est un petit peu moins d'une heure. 150 agneaux, on est à 45 minutes. Et pour 200 agneaux, on est autour de 33 minutes par agneau né. Bien sûr, il y a du temps qui est incompressible et ça dépend vraiment de chaque exploitation. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a mesuré comme temps de travail. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça milite quand même. Alors, c'est d'autant plus qu'on a des taux de fertilité qui sont relativement bas, mais même, ça milite quand même, compte tenu du cours actuel des agneaux, pour des repasses derrière synchronisation. Je ne sais pas si vous partagez cette remarque, mais bon. Même si on est à une heure par agneau, voilà. Pas, qu'est-ce que ça vous inspire? Rien de particulier? Si Jean-Pierre Arcoutel, la question que je poserai alors du coup sur la station, mais quel est le tonnage de viande ovine produit par actif au bec? Je ne pourrais pas vous répondre là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en moyenne, on a 1200 brebis sur la station. On est 4 à s'occuper du troupeau, mais on n'est pas 4 à temps plein comme un éleveur est sur son troupeau. On a toute l'activité testage boucher et expérimentation. Donc, ce n'est pas comparable à un élevage. Parce que toi, Jean-Pierre, toi, tu es autour de... Tu penses... C'est autour de combien tu dis 10 000, non, combien c'est 8-10 tonnes par unité de main-d'œuvre, c'est ça, non? Tu voulais nous donner comme. Mais c'est. Après, les tonnages, ils peuvent varier de 2 à 20 tonnes par actif, quoi, voire plus, quoi. Mais c'est vrai que ça joue beaucoup sur le revenu, hein, c'est sans doute ce que tu voulais dire aussi. Hein. Oui, mais pour une idée, on est aux alentours de 2500 agneaux par an. Après, voilà, c'est une ferme expérimentale, une station génétique, donc on ne peut pas comparer avec un élevage. C'est vrai que ce critère-là, dans les coûts de production, il est calculé, ouais, pour ceux qui font des coûts de production. Bon, mais je ne sais pas, Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur la synchro, et y compris quand on est des taux de fertilité peut-être qui sont autour de 70%, mais sur l'intérêt de faire une repasse. Non, mais là, le tableau, là, il est parlant. C'est souvent ce qu'on dit en mouton, que tu en es 50 ou 150, c'est ce que je dis souvent.
C'est que, de toute façon, il y a des temps incompressibles. Donc, quand tu y es, et c'est ce que je dis tout le temps aux gars, si, quand, tant que vous y êtes, autant faire 150 agneaux quand vous y êtes, que d'en faire 50 et que ça dure 2 mois, quoi. Et le tableau, il représente tout à fait ça. De toute façon, il y a un moment plus tu as d'agneaux à faire, bah, plus tu fais diminuer le nombre de minutes. Donc, de toute façon, autant... il est parlant pour ça, il y a des choses, tu es obligé de le faire. Alors que tu fasses le soin de 2 agneaux ou de 50, c'est quasiment presque le même. Enfin, grosso modo, c'est presque pas le même boulot, mais presque. Donc, tant que tu es sur cet atelier-là, autant en faire un maximum, que ça soit rentable, et puis de faire autre chose après, quoi. C'est vachement important ce qui vient d'être dit, là, oui, parce que il y a des gens avec 250 brebis, ils sont à fond, hein. Et encore, s'il y a le papy et la mamie pour leur aider, ça leur va bien. Et là, on a l'exemple de quelqu'un qui a 250 brebis, mais qui a plein temps à côté, quoi. Donc, pour 250 brebis, on peut avoir 250 brebis en ayant un plein temps à côté, quoi. Et bien organisé, ça ne prend pas de temps, quoi. Voilà. Là, alors qu'il y en a qui sont à fond avec 250 brebis. C'est ce qu'on va voir dans l'XP qu'on est en train d'attaquer avec la mixité bovin-ovin. On va voir qu'il y a des gens, le troupeau de brebis, et à côté, il y a 120 vaches, 100 hectares de culture, les brebis, en fait, elles sont là à côté. Effectivement, c'est comme s'ils avaient un plein temps à côté, et dans les brebis, en organisation, après, voilà, c'est une histoire d'organisation, que ce soit pour faire des vaches à côté, des vélages ou de la culture, le problème, il est le même, de toute façon. Ou autre chose, hein. Autre chose oui, oui. Non, des loisirs aussi. C'est pas, oui, voilà. Ou, bah, après, voilà, il y a des gens qui s'impliquent dans le bénévolat, dans l'associatif. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est super important, hein, c'est Sophie Hubi. Parce que quand on parle d'attractivité du métier, dire aussi que ça peut être autre chose, c'est super important pour attirer des jeunes ou des gens qui viennent d'ailleurs. Quand on est bien organisé, ouais, on peut avoir du temps pour soi, on peut avoir du temps pour autre chose, et que la production en ville, ça peut être une solution. Oui, bah nous, on a surtout la réflexion par rapport à nous, c'est mixité dans mon secteur Creuse. Souvent, les gens, la réflexion qu'on a écoutée, enfin, depuis 25 ans que je fais sur la route, c'est ça, c'est que les moutons, ça prend trop de temps, on garde les vaches et on vire les moutons. Et en fait, si tu t'organises bien, c'est vrai qu'avec 50 vaches, tu n'es pas non plus débordé, tu peux faire 200 brebis à côté qui, des fois, ne coûtent rien. Hein. Mais là, la réflexion, moi, je l'ai écouté 25 ans, ça fait, oh, c'est trop de boulot, on dégage, quoi. Ben, oui, mais ça dépend comment c'est fait, quoi. Tout à fait. Donc, c'est après, ça peut, comme vous le dites, dans l'aspect sociétal, aujourd'hui, ça peut être du loisir, ça peut être aller donner des coups de main, machin. Et ben, c'est justement à quoi ça s'attache, ce projet. Donc là, vous avez vu toute la partie repro, mais on a aussi travaillé sur d'autres thèmes, hein, dans le cadre de ce projet, dont une partie des résultats sera présentée d'ailleurs au webinaire suivant, hein, qui est le 23 juin, qui cette fois traitera de la fréquence de distribution du concentré, donc une fois par jour ou deux fois par jour, y compris avec des grandes quantités de concentré. On a également réalisé une étude où on ne soigne plus du tout le dimanche, hein, donc les brebis sont soignées 6 jours sur 7. Et puis on abordera aussi des techniques pour simplifier la transition des agneaux d'herbe lorsqu'ils rentrent en bergerie, voilà, qui ont fait l'objet de tests également en élevage et en sites expérimentaux. C'est le même processus que ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Ben, Jean-Pierre, je te laisse le mot de la fin si tu captes toujours. Moi, je capte. Bon. Et toi, je te capte. non, moi, donc là, ces exemples, ils sont vachement importants. Je disais au départ, l'exploitation, elle n'est pas au milieu de nulle part. Le troupeau ovin, il est dans une exploitation, et donc il faut tenir compte de tout cet environnement. Il peut y avoir plusieurs productions, il peut y avoir plusieurs activités, comme ça vient d'être dit là à l'instant. Il peut y avoir le troupeau ovin, mais il peut y avoir, et quelqu'un peut avoir d'autres activités. Donc il faut s'organiser au mieux, et puis tout simplement, l'élevage ovin, c'est pas compliqué quand c'est bien fait, mais il s'agit d'avoir un minimum d'organisation. Le témoignage de tout à l'heure, là,
Et il faudrait le dire partout. Alors en plus, il est salarié d'une coopérative, alors c'est encore mieux. Mais il a plein de temps à la coopérative et il gère son troupeau. C'est génial parce qu'il ne faut pas. Walter qui témoigne aussi, il a 700 brebis tout seul hein, aussi. Ouais. Ben, merci beaucoup. Hein. Merci à tous. On vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Merci aux intervenants, merci aux éleveurs et à tout le monde. Et à bientôt. Au plaisir. Au plaisir, à bientôt. Merci. Tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.